Du décret à la page 14 du quotidien Le Soleil de ce matin. Et puis la Ligue démocratique, la suspension des 19 responsables justement de ce parti à Popongin. Guerrero est un paradis enclavé. Pour en savoir davantage, il faudra évidemment lire les colonnes du Soleil de ce 12 février. Nous poursuivons avec Vox Populi, la revue des titres donc. Quand l'irrationnel s'invite dans la caisse, c'est cas de transe et malaise qui secoue le procès Khalifa et compagnie. Des partisans de Khalifa tombent en transe, des avocats victimes de malaise. Alors que se passe-t-il? Nos confrères de Vox Populi nous retracent et analysent un peu tout cela dans leur colonne ce matin. Libération maintenant sur l'enrichissement illicite, le blanchiment de capitaux, la banqueroute frauduleuse, ERAE charge Karim et Bibo. Et vous pouvez évidemment lire les analyses de l'expert de la Banque mondiale et également dans les colonnes de Libération concernant cette affaire. Enquête maintenant sur cette un dossier que nous proposent nos confrères ce matin. Alors une, métier de courtage, les as de la commission. Alors clients et bailleurs préfèrent les agences pour diverses raisons, notamment la sécurité, la poursuite judiciaire, la concurrence déloyale, ces boulets du courtage. Et puis pourquoi la loi sur la baisse du loyer a plombé les affaires des courtiers. Et nos confrères ce matin donnent, vous l'aurez compris, la parole aux courtiers qui s'expriment justement sur leur métier et les différentes commissions qu'ils perçoivent. Le quotidien maintenant avec Mamadou Ndoye et compagnie qui sont suspendus justement 19 cocos sur la ligne de départ, la LD, suspendue donc de la LD. Nous poursuivons avec Zoom Info, jurisprudence PS à la LD. Mamadou Ndoye est complice au bord de l'exclusion, titre Zoom Info à sa une ce matin. Et puis à la une de 24 heures info, actualité également très politique avec la candidature à la présidentielle de 2019, Idrissa Seck, dernière ambition. Titre, nos confrères de 24 heures info, l'As quotidien, pour poursuivre cette revue d'un titre et le renforcement du camp présidentiel d'anciens réumistes rejoignent le maquis. Et vous avez en prime leur photo à la une de ce quotidien. Stade pour poursuivre notre revue des titres de ce matin avec le mondial 2018 amicaux de mars. Le Sénégal ne jouera pas l'Azerbaïdjan. Week-end des Lions, bon à marquer. Bonne nouvelle, Famara, Alfred et Dembaba. Tu es aussi passeur. Très bien. Cristiano Ronaldo, meilleur buteur, l'inoxydable Ronaldo avertit Paris. Ça, c'est pas pour faire plaisir à l'une Badarakan, le Barcelonais sur le plateau. Allez, ouais. Real PSG du 14 février, Neymar avec Cavani, sans Mbappé, peut-être jouera-t-il, ne jouera-t-il pas? Eh bien, on saura cela le 14. Allez, As maintenant, As Sport, avec à sa une, la photo des lutteurs physiques mystiques, les clés du combat, Papasso Amabaldé du 17 février. On va terminer la revue des titres maintenant avec Sounoulamb, l'As face à face avant le 17 février. Hamas se défoule, Papasso encaisse. Hamas s'est-il blessé? On ne sait pas. En tout cas, on espère qu'il sera dans l'arène le 17 pour ce combat que les amateurs attendent avec beaucoup d'impatience. Et ils ont mis un encadré, mais je trouve que c'est important. La lutte olympique. On a parlé lundi dernier, les championnats d'Afrique au Nigeria, Adama Diatta, roi d'Afrique, favori, voilà, qui a confirmé son rang de favori en remportant voilà, encore une fois le titre de champion d'Afrique. Ben voilà, on espérait des médailles, je pense que c'est fait. On est en or là, c'est bien. C'est ça, c'est bien. Très bien. Il y a d'autres compétitions qui nous attendent également. On en reparle justement dans la chronique sport.